Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos animaux. L'été est enfin à nos portes et avec cela, espérons-le, de nombreuses journées chaudes et ensoleillées. Contrairement à nous, les humains, les cochons d'Inde ne vont certainement pas activer le ventilateur ou jouir de la piscine ou de la plage pour se rafraîchir par temps chaud. C'est donc à nous de les aider un peu afin qu'ils soient le plus confortables possible dans leur milieu, quelles que soient les variations de température. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage 5 petites astuces rapides pour rafraîchir vos petites boules de poils en été. Alors, c'est parti! Les cochons d'Inde ne possèdent pas de glandes sudoripares. La régulation thermique par transpiration est donc impossible pour eux, ce qui signifie qu'ils sont exposés à de grands risques de santé par temps chaud. Un petit rappel que le cochon d'Inde est très sensible aux variations de température. Les cochons d'Inde qui vivent exclusivement à l'extérieur sont davantage habitués aux variations de température, ce qui signifie qu'ils ne sont donc pas aussi dépendants que nos cochons d'Inde d'intérieur. En règle générale, la température idéale pour nos petites boules de poils se situe entre 18 et 24 degrés Celsius. Une température inférieure à 16 degrés Celsius augmente la probabilité que votre cochon d'Inde puisse attraper une infection des voies respiratoires et une température supérieure à 26 degrés Celsius peut provoquer un coup de chaleur qui pourrait malheureusement lui être fatal. En règle générale, si vous êtes confortable en t-shirt, votre cochon d'Inde l'est aussi. Avoir une unité de climatisation. Pour les cochons d'Inde vivant à l'intérieur, je recommande fortement d'avoir un système de refroidissement dans votre environnement si vous pouvez vous le permettre. Selon votre budget, vous pouvez vous procurer un modèle portable pour la pièce de votre cochon d'Inde si elle a tendance à devenir plus chaude en été. Cela pourrait même être un achat que vous pouvez demander en cadeau et qui vous donnera une tranquillité d'esprit. Notez que lors de la mise en place du système de refroidissement, il est important de ne pas diriger la sortie d'air froid en direction de la cage de votre cochon d'Inde, car tout courant d'air direct pourrait lui provoquer une gêne et causer une sécheresse des muqueuses nasales et des voies respiratoires, le rendant ainsi plus vulnérable aux infections respiratoires. Évitez l'exposition au soleil. L'exposition aux rayons de soleil fait augmenter rapidement la température d'une pièce. Garder les rideaux ou les stores fermés aide grandement à garder votre pièce plus fraîche. Pour les cochons d'Inde vivant à l'extérieur, il est conseillé d'avoir un environnement suffisamment ombragé afin de limiter l'exposition au soleil et permettre une bonne circulation d'air frais. On recommande de privilégier les plantes, arbustes et arbres qui créent de grandes ombres. Refroidir son environnement. Il est possible de refroidir la maison de votre cochon d'Inde en y ajoutant des bouteilles d'eau glacée ou des blocs réfrigérants. Enveloppez-les à l'aide d'une petite serviette ou d'une chaussette propre afin de donner un meilleur confort pour votre petite boule de poils lorsqu'il voudra s'y coller et permet d'éviter que votre cage soit trop mouillée en raison de la condensation de l'eau. Il existe aussi des matelas rafraîchissants que vous pouvez vous procurer pour vos cochons d'Inde, qui sont généralement composés d'une surface en fibre de soie, ce qui aide à maintenir une température corporelle de vos cochons d'Inde à un niveau confortable. Privilégiez les ponts. Une mauvaise ventilation crée un environnement chaud en général et encore plus chaud lors des chaudes journées d'été. Le remplacement des cachettes à une entrée par des ponts en bois permet une meilleure circulation d'air pour votre cochon d'Inde qui se repose et crée également une nouvelle aventure pour lui. Il est conseillé d'éviter le plastique par temps chaud car ce matériau tend à absorber la chaleur. Utilisez une serviette froide et humide. Placez une serviette fraîche et humide qui a été essorée afin qu'elle ne goutte pas
sur une partie de la cage. Vous pouvez combiner cette astuce avec un ventilateur et vos cochons d'Inde bénéficieront vraiment d'un environnement plus frais. Veillez à ne pas couvrir tout l'habitat car cela peut limiter l'aération. De plus, bien s'assurer que les serviettes ne coulent pas car elles peuvent tremper vos animaux de compagnie et les rendre éventuellement malades. Il est bon de se rappeler l'importance d'une bonne hydratation par temps de canicule autant pour nous, les humains, qu'à vos bébés à fourrure. N'hésitez pas à rafraîchir l'eau de vos cochons d'Inde quelques fois par jour et de privilégier les collations rafraîchissantes. Prenez note qu'il est faux de croire que tondre le pelage de votre cochon d'Inde en été l'aidera à avoir moins chaud. Le pelage du cochon d'Inde joue le rôle d'un isolant, ce qui signifie qu'il aide à garder votre cochon d'Inde frais en été et au chaud par temps plus froid. Pour les cochons d'Inde à poils longs, il faut tout simplement continuer à entretenir son pelage comme à l'habitude, c'est-à-dire couper l'excès de poils afin de le rendre plus confortable dans ses déplacements et d'aider à maintenir une bonne hygiène. C'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite un bel été agréable et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!